Bonjour à tous et à toutes. Hello everyone. Et comme disait Rana, bonne fête à toutes les femmes. And happy Women's Day. Alléluia. Et justement, le sujet qui nous... Ok. Oh, c'est mal poli de te couper la parole. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Donc... Ok. Bah, vous me dites quand je peux parler. S'il vous plaît, puis-je parler. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va célébrer, j'allais dire, les deux tiers de l'Église, à peu près. You know, we're actually celebrating about two-thirds of the members of this church today. Bien qu'il y ait à peu près la moitié d'hommes et de femmes qui naissent dans le monde. There are roughly half men, half women in the population of the world. Il semblerait que les femmes sont bien présentes dans l'Église de Jésus-Christ. And in the Church of Jesus Christ, women are very present. Hallelujah. Qu'elles soient bien présentes, c'est bien. Okay, it's a good thing to be present. Mais on doit prier pour que les hommes soient aussi présentes que les femmes dans l'Église de Jésus-Christ. We need to pray for the men to be just as present. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Le titre de mon message, c'est « Femmes d'exception ». Selon le cœur de Dieu. The title of my message today is Exceptional Women According to God's Heart. Donc, mesdames, je vais m'adresser particulièrement à vous ce matin. I am speaking to the women today. Mais je vais demander aux frères d'ouvrir grand leurs oreilles et grand leur cœur aussi ce matin. I really want the brothers to open their hearts and open their ears as well. Afin que tous ensemble nous allions quelque part ce matin. Because we want to go all together in the same direction. Et que nous soyons cette église de Jésus-Christ sans tache ni ride. And we want to become the Church of Jesus Christ that is without spot or wrinkle. Qui est un puissant témoignage de l'image de Dieu dans notre monde. That is a powerful testimony of the nature of God in this world. Amen. Prions. Amen. Let's pray. Père très saint, je te loue et je te bénis pour ta sainte présence, Seigneur. Holy Father, thank you for your wonderful presence. Saint-Esprit, je prie afin que tu ouvres les yeux de nos cœurs ce matin. Holy Spirit, I ask that you would enlighten the eyes of our heart today. Que tu ouvres nos oreilles spirituelles afin que nous entendions, Seigneur, clairement ta parole. That you would unplug our spiritual ears so that we could clearly hear the word of the Lord. Et que tu touches particulièrement nos cœurs pour que nous comprenions, Seigneur, ton plan. And I pray that you would particularly touch our hearts so that we would understand your plan. Le plan que tu as pour cette génération. Your plan for this generation. Et le plan parfait que tu as pour ton épouse qui est l'Église. And your plan for your bride who is the church. Seigneur, je prie afin que chaque personne ici présente et qui nous regarde par Internet. I pray for every person in this room and connected by internet. Sois interpellé, Seigneur, par ta parole ce matin. That each person would be touched by your word. Sois peut-être même défié par ta parole ce matin. And perhaps even challenged by your word. Mais surtout, sois valorisé, rehaussé. But especially that each person would consider themselves valuable in your eyes. Régénéré, encouragé, Seigneur. And be regenerated and revitalized and encouraged. Afin que nous accomplissions le plan et l'appel que tu as sur chacune de nos vies. So that each one of us would accomplish the calling and the plans that you have for our lives. Et Seigneur, tout cela uniquement pour la gloire de ton nom. And we want these, we desire these things for the glory of your name. Alléluia. Amen. Amen. Alors tout d'abord, je veux commencer par une petite histoire un petit peu démagogique, mais j'aime bien. J'assume. I'm going to tell you a little story. Mais je crois que les femmes vont aimer cette histoire. And I think, ladies, you're really going to like this story. Pour ça, je dis c'est un petit peu démago par rapport aux autres, mais c'est quand même une bonne introduction malgré tout. This is going to be a good introduction to my message. Alors savez-vous, c'est une petite devinette. Okay, so we're going to start with a little guessing game. Savez-vous pourquoi Dieu a créé l'homme? Avant la femme, a créé l'homme en premier et ensuite la femme. Do you know why God created the man before he created the woman? Prototypes. Quand même. Parce qu'on fait toujours, parce qu'il faut toujours commencer par un brouillon avant de faire le chef-d'œuvre. Prototype, c'est ça. You need to start with a rough draft before you have a final product. There was only one person that clapped their hands in the room when he said that. Maintenant, on va passer dans la parole de Dieu pour voir si c'est vraiment juste. Now we're going to compare that story to the Word of God to see if it's correct. Donc c'était simplement pour attirer votre attention. No, it's really just to get your attention. Et Dieu n'a pas besoin de faire de brouillon. Amen. Hey, God doesn't need a rough draft. He's perfect. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Everything he does is perfect.
Mais dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 23, il est écrit: But we're going to read the passage in Genesis chapter 2, verse 18 to 24. Please follow along. Lors de la création, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. It's not good for man to be alone. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout, le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, ou un de ses côtés, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » She shall be called bone of my bone and flesh of my flesh, for she was taken from the man. Ce qui est remarquable ici dans cette déclaration de Dieu. Now here's what's amazing about this declaration from God. Lorsqu'il fait indirectement mention de la femme. When he indirectly spoke about the woman. Dans l'achèvement de la création, Dieu dit il n'est pas bon. The first thing he said was it is not good. C'est un peu comme cet artiste qui juste avant de finir son œuvre. This makes me think of an artist right before he's finished his masterpiece. Au moment où l'artiste va créer son chef-d'œuvre. At the time where he's in the creation process. Donc il regarde son chef-d'œuvre. He looks at his work. Et dit ah non, c'est pas bon, il manque quelque chose. And he says to himself, it's not good. It's missing something. Et dans son souci de perfection. And in an attempt to perfect his work. Même l'artiste va dire ah non, ça c'est vraiment pas bon, il manque vraiment quelque chose. It's the artist who sees what's missing. He says, no, we need something here. It's not good. Mon œuvre est imparfaite, il manque quelque chose qui va sublimer mon œuvre. This work is not yet perfect. I need something else for it. Quelque chose qui va magnifier ma création. Something that will magnify my creation. Quelque chose qui va couronner mon chef-d'œuvre. Something that will crown my work of art. Et l'artiste a fait déjà ses plans dans sa tête. Now the artist has already got his ideas in his head. Il a déjà l'image finale dans son esprit. He already has an image of the final product. De ce que va être son chef-d'œuvre. What his masterpiece will look like. Et alors qu'il repasse le plan dans sa tête. So he's going to review that plan in his mind. Qui visualise tout ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde. And he's going to visualize everything he conceived before the creation of the world. Il dit, il manque quoi, la femme. Oh, that's it. We're missing the woman. Mais c'est bien sûr. Of course it is. Il manque la femme pour que mon œuvre soit parfaite. For my creation to be perfect, we need pour woman. Pour que je puisse déclarer, c'est très bon. So that I can say, this is very good. Mais tant que je n'ai pas créé cette femme, ce qui va sublimer mon œuvre. However, as long as I haven't yet created the woman. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est pas bon. The only thing I can say when I look at creation is, it is not good. Vous voyez, mes sœurs, mes dames. You get it, my sisters? Sans vous, without you, la vie n'est pas bonne. Life is no good. Mais avec vous, but with you, la vie est très bonne. The life is very good. Amen. Que vous soyez notre maman. You might be a mother. Que vous soyez notre épouse. You might be a wife. Que vous soyez notre sœur. You might be a sister. Que vous soyez notre fille. You might be a daughter. Ou même que vous soyez notre belle-fille. Or a daughter-in-law. Sans vous, mesdames. Without you, ladies. La vie n'est pas bonne. Life is no good. Mais avec vous, la vie est très, très bonne. But with you, life is very good. Amen. Amen. And et nous voulons faire écho à ce que Dieu dit. We're here dans la création. To be the echo of what God said at the time of creation. Sans ma fille, sans mes filles, la vie n'est pas bonne. God is saying, without my daughters, life is not good. Quelle est la chose que le Seigneur a créée en dernier? What is sur the last cette terre? Thing
God that create that God created on the earth. Et en général, on crée ce qui est de meilleur à la fin. And generally, you create the best part at the end, right? La femme. He created the woman. Qu'est-ce que Dieu a créé après sur la terre après la femme? What did God create on the earth after Rien the woman? Amen. Zéro. Et regardez à quel point Dieu a été délicat dans la façon dont il vous a créé. Now I want you to look at how delicately God created. La façon dont il vous a pensé. The way that he thought about you, conceived you. Bon, moi je fais partie des gars. Now, I'm a guy. He's a guy. Et selon ce que dit la Bible, Dieu a pris de la poussière. So, if I read my Bible right, it says I was created from the dust. Et toi, t'es un bonhomme, on va prendre un peu de poussière. Bon, ok, pour que tu okay. sois vraiment à l'image de Dieu, je vais souffler en toi. So, God looked at the dust and he said, well, if you need to resemble God, I'll have to breathe into you. Mais pour les femmes, il s'est dit, non, je vais prendre une matière un peu plus noble. But, for creating the woman, he decided to take the raw material that is a lot more noble than dust. Il s'est dit, déjà, je vais endormir ce gars-là. I wonder what it was like to be Parce que je ne sais pas s'il va être d'accord avec ce que je veux faire. If he wasn't asleep, I don't know if he would be in agreement with Donc what God Donc il a fait la première anesthésie au monde. So, God was the one who created anesthesia. Avec la première opération chirurgicale au monde. And he created the very first surgery in the world. Et il est dit que le Seigneur a pris son... Il est dit la côte, mais même dans le texte original, on peut dire aussi le côté. The Bible says that he took Adam's rib, but in the original text, it could actually mean the side, from his side. Il a pris la matière la plus noble. In other words, he took raw material that was noble. Le côté. The side of the man. Et vous savez que lors d'un mariage, on met toujours l'épouse à côté de l'époux. Have you ever noticed that in a wedding, that we bring the wife and she stands beside Et bien souvent, husband? On se dit, mais de quel côté faut le mettre à droite, faut le mettre à gauche, enfin, on est un peu confus. And we have a wedding ceremony, everybody says, well, what side is it supposed to stand on, the right mais or the left, faut pas or we confus, get all confused. Gars. There's no confusion. C'est du côté du cœur. It's the side of the heart. Du côté du cœur. The left side, that's where the woman stands. Dieu n'a pas pris la femme dans un bout de talon. God did not choose to make woman from the heel. Pour qu'elle soit écrasée. So that she would be crushed. Pour qu'elle soit abusée. So that she would be abused. Pour qu'elle soit supprimée. So that she would be suppressed. Ça, c'est le plan du diable. No, that is the plan of the devil. Le plan de Dieu, c'est qu'elle soit prise du côté du cœur. The plan of God was always to take from the man's heart. Donc, il a pris la partie la plus noble. That was the most noble part of the man. De l'espèce humaine. Of the human race, in fact. Pour vous créer, mesdames. To create each and every one of you. Amen. Amen. Ça va? How are you doing so far? Dieu a formé à partir d'Adam et non à partir de la poussière, comme je disais. So God created woman from the man and not from the dust. Et cela doit vraiment fermer la bouche à toutes les personnes qui disent que la Bible est macho. That truth should shut the mouth of everybody that tries to say that the Bible is a book that is macho. Que la Bible écrase les femmes. That in the Bible we see that women are crushed. Dès le début de la création, Listen, Dieu a sublimé la femme. From the start, God made the woman something noble. Pour être plus juste, il a sublimé l'espèce humaine en créant la femme. In fact, he perfected the human race by creating the wife, the woman. Donc c'est encore un mensonge que le diable essaye de faire avaler à toute l'humanité. So this is a lie from the enemy that he tries to get humanity to accept. Mais pour que l'homme soit vraiment accompli en tant que l'image de Dieu, il fallait créer la femme, il fallait créer un vis-à-vis. For the man to be perfected in the image of God, it was necessary for God to create a helper suitable for him. Il est écrit que c'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme. The next thing we see is that God brought the woman to the man. Et ça me fait penser aux cérémonies de mariage que nous avons. And that reminds me of wedding ceremonies as well. Donc dès que Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la femme à Adam. As soon as God created the woman, what did he do? He vers brought her to the man, to Comme Adam. Le père amène la fille. Just vers like son fiancé the father à l'hôtel. In the wedding brings his daughter to her fiancé. Et là, nous assistons à un mariage, au premier mariage de l'humanité. And here we're attending the very first marriage of all humanity. Et comme dans toutes les cérémonies de mariage, and in every wedding ceremony, Adam a prononcé ses vœux.
Adam made his vows. Il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera mon épouse. These were his vows. This is now bone of my bone and flesh of my flesh. Parce qu'elle a été prise de moi, de l'homme. And she will be called woman because she was taken out of man. Et messieurs, rappelez-vous des vœux que vous avez faits lors de votre mariage. If you're married, my brothers, remind yourself today of the vows that you made to your wife the day of the wedding. Et soyez fidèles à ces vœux que vous avez prononcés lors de votre mariage. Be faithful to those vows. Que ça soit pas une jolie poésie. It's not meant to be just a nice poem. Que vous rangez dans un tiroir bien poussiéreux. That you stick into a drawer and forget about Mais during que ça your soit une prophétie. No, your vows are a prophecy. Sur laquelle est bâti votre mariage. Upon which your marriage is built. Ensuite, après cette merveilleuse proclamation sur le couple. Then, after this wonderful declaration. Qui devrait être la marque de fabrique de l'humanité. Which should have been the mark of all humanity. An Il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 24. We see in Genesis chapter 2 verse 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. This is why a man leaves his mother and his father and cleaves to his wife and the two shall become one flesh. Mais en quelque sorte, il est dit, et les deux deviendront seront un. In other words, he's saying the two shall become one. Et là, on voit le plan parfait de Dieu pour l'espèce humaine. This is where we see the perfect plan of God for the human race. Et nous voyons pourquoi Dieu a tellement insisté sur le mariage. This is why God put so much emphasis on marriage. Et que tu sois appelé à être marié ou pas, il faut que tu comprennes cette révélation. Whether you are called to be married or not, you do need to understand this revelation. À chaque fois que nous assistons à un mariage entre un homme et une femme, every time you assist you attend a wedding ceremony between a man and a woman, des représentants d'Adam et Ève, pas d'Adam et Steve. Representatives of Adam and Eve, not Adam and Steve. Nous faisons un remake de ce que Dieu a créé dans l'espèce humaine. We're actually doing a remake of what God himself created for the human race. Et c'est en quelque sorte une prophétie, une proclamation de du plan parfait de Dieu pour l'espèce humaine. And your wedding ceremony is actually the prophecy or the proclamation of what God intended for human beings. Cette proclamation, cette prophétie de Dieu, c'est afin qu'ils soient un. His prophecy is this, the two shall become one. La même prière, la même prophétie que Jésus a faite sur son église. Père, je prie afin qu'ils soient un. It is in fact the same prophecy that Jesus prayed over his church. Father, that they may be one. Comprenez bien que ce n'est pas ce message n'a rien à voir avec le fait que tu sois marié ou pas. You know, the message in and of itself has nothing to do with the fact if you're married or not. Car nous sommes l'église de Jésus-Christ. Because all of us are part of the church of Jesus Christ. Et l'église de Jésus-Christ pour fonctionner pleinement dans son appel et dans son potentiel doit être un. And in order for the church of Jesus Christ to function the way it's supposed to, it needs to be one with Christ. Et bien sûr, ça commence dans les foyers. And that starts in the home. Lorsque le mari et la femme fonctionnent dans l'unité. First of all, when the husband and the wife function in unity. Lorsque l'homme aime sa femme. When the man loves his wife. Et que la femme respecte son mari. When the wife respects her husband. Avec un seul objectif, une seule vision, un seul appel. With one single vision, one single calling. De manifester le royaume de Dieu sur la terre. To manifest the kingdom of God on the earth. Un royaume de paix, un royaume de justice et un royaume de grand enthousiasme et d'une grande joie. The kingdom of God consists of righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Amen. La marque de l'humanité, de l'image de Dieu dans l'homme. That is the mark of God upon men for the human race. Afin qu'il soit un, une unité parfaite dans la diversité. He is destined to live in perfect unity. Une unité parfaite malgré nos différences.
And this unity despite our differences. La vraie unité se trouve dans la diversité. Because true unity is actually found in diversity. Quand les différences sont célébrées pour honorer et glorifier l'image de Dieu dans l'autre. When we learn to celebrate our differences in order to glorify our God and Creator. Mon appel, notre appel, c'est de glorifier la différence et l'image de Dieu en toi. My calling is to glorify and celebrate the differences that in your life that glorify Jesus. Cette unité qui dans le cœur qui veut toujours bénir. Unity in the heart always. Qui veut toujours rehausser, qui veut toujours valoriser. Seeks to bless and to edify and to encourage. Les autres plus que nous-mêmes. Others more than ourselves. Amen. Tu veux un petit secret? Do you want to know a secret? Considère les autres au-dessus de toi-même. Consider others more important. Cherche leur bien. Seek for the welfare of others. Cherche à préserver leur valeur, leur réputation. Seek to protect their value, their reputation. À prononcer la vie sur eux. Seek to declare life, encouragement, et tu seras vraiment un homme et une femme heureuse dans ta That's vie. That's what will make you a man or a woman who is happy. Des fois, on est tellement concentré sur notre petit bobo, nos petites blessures. Hélas, sometimes we are so focused on our little hurts and our little bobos. Qu'on oublie ce à quoi on est appelé. We forget what we are called to be. Prononcer la vie. To speak life. Amen. Amen. Hallelujah. Donc, fait remarquable. Here's something amazing. Il a fallu que Dieu vous crée, mesdames. God needed to create you, my sisters. Et constate que l'homme et la femme étaient dans une et qui constate que l'homme et la femme étaient dans une parfaite unité. And that was the way he wanted to create perfect unity between men and women. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit, c'est très bon. And only at that time did God say, that is very good. Quand nous savons fonctionner ensemble dans une parfaite unité, dans un profond respect mutuel. Listen, when we learn to function with perfect unity and mutual respect. Là où il n'y a pas de domination. Where there's no sense of dominating one another. Qui est une malédiction entre parenthèses. That in fact is a curse, by the way. C'est là qu'on voit la vraie image de Dieu. In that unity, you see the true image of God. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Why? Because God himself manifests unity between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Est-ce que tu crois que Dieu le Père dit du mal de Dieu le Fils? Listen, do you believe that the Father says negative things about the Son? Ou est-ce que tu crois que Dieu le Saint-Esprit avec Dieu le Fils complote parce que Dieu le Père ne lui a pas dit bonjour? Or do you think that the Son and the Holy Spirit speak evil of the Father because he forgot to say hello? Non, la vraie unité, la vraie image de Dieu se trouve dans l'unité que nous avons les uns avec les autres. The true image and nature of God is seen in the fact that we walk in unity. Il est même dit dans le psaume 133 qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est alors que l'onction du Saint-Esprit est manifestée. Remember what it says in Psalm 133, how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity, because it is there that the Lord brings the life and the blessing. Tu veux voir des miracles? Hey, listen, do you want to see miracles? Alors travaille dans l'unité, pour l'unité. Pursue unity. Dans ton foyer, premièrement. First of all, in your household. Dans l'église. Secondly, in the church. Et partout où le Seigneur va te placer. And wherever the Lord places you. Amen. Amen. Donc on comprend pourquoi au chapitre 3. Aïe, 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 chapitre 3. Now, you get to chapter 3 of Genesis, oh boy. Pourquoi le diable a eu cette stratégie? You start to understand why the devil had a strategy. J'allais dire quelque part intelligente. He was actually quite intelligent. Mais il savait exactement où taper le diable. He knew exactly how to get in. Il a tapé dans l'unité de l'homme et de la femme. The first thing he attacked was the unity between the man and the woman. Il savait que si cette unité était brisée. Because he knew that if he could break down that unity. Alors il y aurait une brisure dans l'image de Dieu dans l'homme. There would also be a breaking of the image of God. Et c'est pour ça qu'il fait tout encore aujourd'hui pour qu'il y ait cette division entre l'homme et la femme. And that's why he continues to do everything in his power today to create division between man and woman. Que ce soit dans un foyer.
It might be in the household. Que ça soit dans une église. It might be in a church. Dans une nation. It might be in a nation. Dans une entreprise. Or in a business. Dès qu'il y a la division. Listen, as soon as division arrives, tu peux être sûr que c'est le début de la fin. You can be sure that it's the beginning of the end. Donc le diable a tout fait pour briser cette unité, cette harmonie. That's why the devil tried to break that unity, the harmony. En s'attaquant directement à l'alliance parfaite. And he attacked, directly attacked that perfect covenant qu'il y avait entre l'homme et la femme. Established between the man and the woman. Et ça, c'était une stratégie redoutable et c'était le jackpot pour le diable. And for him, that strategy was his jackpot. Et malheureusement, sa stratégie a réussi avec Adam et Ève. And unfortunately, his strategy succeeded with Adam and Eve. Donc premièrement, il y a eu brisure dans leur foyer. So there was a separation in their household. Et ensuite, il y a eu brisure par rapport à leur destinée, au plan de Dieu dans leur vie. And then they were even separated from the plan of God for their lives. C'est pour ça que vous qui êtes mariés, ton premier ministère. That's why for those of you who are married, your first ministry is this. C'est pas que tu sois appelé grand apôtre de tous les temps. Not that you would be called the greatest apostle of all time. Ça, on s'en fiche, mais complètement. That is, we don't care about that. Mais que tu sois fidèle avec l'alliance que tu as fait. Your calling is to be faithful to the avec covenant la femme you de ta made jeunesse. With the wife of your youth. Ou même de tes jours un peu plus mûrs si tu t'es marié un peu plus tard. Or if you got married later in mais life. Mais que tu sois fidèle avec la femme whatever que le Seigneur t'a donnée. Age, the key is to be faithful to your wife. Et à chaque fois que tu es fidèle, tu proclames le plan de Dieu pour l'humanité. Because every time you're faithful to your wife, you're proclaiming the plan of God for all humanity. Amen. Amen. Mais l'histoire aurait pu malheureusement s'arrêter là. Now the story could have ended there. Et dire OK, le diable a réussi son plan. We could have shrugged our shoulders and said, oh, too bad, the devil accomplished his plan. Mais heureusement qu'il y a le chapitre 3 au verset 14. But thankfully we have chapter 3 verse 14. Et Dieu nous montre encore une fois malgré le péché d'Ève et d'Adam. Once again God shows us that despite the sin of Adam and Eve. Mais Dieu dans sa grande bonté, son amour. God in his great goodness and love. Il s'adresse au diable et prononce un jugement sur lui. He judges the devil. Au verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. I will put enmity between you and the woman. Donc il parle de la femme. He's speaking about the woman in this passage. Et il prononce justement un plan de restauration sur la femme. And he is actually declaring the plan of restoration for cette, the woman. Cette créature qui a sublimé la création sur terre. This creation that perfected all of humanity. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. I will put enmity between you and the wife, the woman, between her descendants and your descendants. Et sa postérité, il parlait du Seigneur Jésus à ce moment-là. And he was actually referring to the descendants of Eve as Jesus. Sa postérité, la postérité de la femme, elle va t'écraser la tête. The descendant of Eve will crush the head of the enemy. Et elle va te détruire. And destroy him. Et ce que tu as volé à la femme et à l'homme lui sera restitué. And whatever was stolen from the woman will be returned. Donc malgré ce péché. So despite sin. Dieu dans sa grande miséricorde. In his great mercy, our God. A dit à la femme, tout n'est pas foutu encore. Said to the woman. Tout n'est pas fichu encore. Nothing's lost. It hasn't been. It's not over. J'ai un plan de restauration pour la race humaine, pour l'espèce humaine. I have a plan of restoration for the human race. Et ce plan de restauration va passer par la femme. And that plan will be accomplished through the woman. Amen. Wow. Mais en attendant ce jour, waiting for that day to arrive, le jour où Jésus-Christ va venir sur la terre, the day that Jesus Christ was born on the earth, pour écraser la tête du diable, to crush the enemy's head, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Until that day arrives, I will increase the tu enfanteras avec douleur. Of your, birth, giving birth. Tes désirs se porteront vers ton mari. And your desire shall be for your husband. Stop, Seigneur, arrête. Wow, that's a lot. Et en plus, ton mari dominera sur toi. And your husband will dominate over you. Et c'est la you. Première fois qu'on voit dans le plan de Dieu que un être humain domine sur un autre être humain. In fact, that is the very first time in all of creation that God spoke of someone dominating another person. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Because that was never part of his original plan. Qu'un être humain domine sur un autre être humain. That a human being would rule over another human being. Parce que Dieu nous a fait égal. Because God made us all equal. Amen.
Et la domination, c'est la conséquence de la chute, la conséquence du péché. And this kind of domination is actually the fruit of the fall. Et en Jésus-Christ, nous sommes restaurés. However, in Jesus, we are restored. Les femmes sont restaurées. And women are restored to their rightful place. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de grossesse. It's interesting that in this passage, he speaks about pregnancy. Quand il parle de grossesse, il parle de maternité. He's talking about motherhood. Et je crois que toutes les femmes ont cet appel, ce potentiel en elles. I believe that every woman has that potential within her. D'être une mère. To be a mother. De donner naissance. To give birth. De prononcer la vie. To pronounce life et over d'engendrer. And to create. Et là, aujourd'hui, on pourrait s'arrêter et dire, ben, moi, je ne suis pas marié, moi, je suis trop âgé, etc. On pourrait commencer à... Now, on a natural level, some women might start to say to themselves, I'm not married, or I'm too old. Mais rappelez-vous de ce que Jésus a dit lorsqu'il est monté au ciel. Remember what Jesus said when he went to heaven? Allez dans toutes les nations et faites des filles et des fils. Go into all the nations and make sons and des disciples. Disciples, in other words. Amen. That's what it means. Disciples is someone you birth into the kingdom. Donc c'est vrai que certains d'entre nous, nous aurons des enfants biologiques. Some people will have biological children. Mais l'appel sur l'Église, c'est d'avoir des enfants spirituels. But the calling of God on the Church of Jesus Christ is to have spiritual children. C'est de manifester le royaume de Dieu sur la terre. And to manifest the kingdom of God on the earth. Et de libérer des fils et des filles. And to release sons and daughters into this par generation. Par nos vies, par nos paroles. Through our lives, through our influence. By our words. Amen. Yes. J'aurais voulu aller dans les détails par rapport à ce qu'est une femme. I would have liked to go into detail about what a real woman is. D'exception. An exceptional woman. Comment, en tant que femme, quel est le caractère que le Seigneur demande? What are the characteristics that God is looking for in a woman? Elle est une femme d'abord qui aime son Dieu. First of all, a woman who loves God. Qui fait tout pour ne pas attrister le cœur de son Seigneur. Who does everything in her power to not grieve the Spirit of God. Toujours prête à répandre le parfum de sa pureté aux pieds de son Seigneur. Someone who is always ready to pour out the perfume of her purity at the feet of Jesus. Elle réalise sa vraie valeur. A woman who recognizes her value. Et elle ne prend pas à la légère le sacrifice de Jésus. Sur la croix pour elle. Doesn't take lightly the sacrifice of Jesus on the cross. Elle comprend que Dieu a mis en elle une sensibilité qui entend la voix de Dieu. A woman who realizes it was God who put within her a sensitivity to his voice. Elle fait tout pour exercer son oreille de disciple. And who does everything in her power to develop the ear of a disciple. Pour pouvoir proclamer, prophétiser ce que Dieu a mis dans son cœur. In order to proclaim and to prophesy the things that God puts in her heart. Et apporter la vie là où il y a la mort. And bring life wherever she sees death. Elle met dans sa bouche l'épée de la parole de Dieu comme Déborah. Like Deborah, a woman puts in her mouth the sword of the word of God. Et non l'épée de la médisance comme Myriam. And not the sword of gossip. Mes sœurs, vous avez dans votre bouche une arme très puissante. My sisters, you possess in your mouth Dieu a mis quelque chose weapon. Dans votre bouche qui est très puissant. And God put it there. It's very powerful. Mais vous pouvez l'utiliser pour la vie ou pour la mort. But it's up to you whether you want to use that for life or C'est for votre death. Langue, votre bouche. That weapon is called your tongue. Ce que votre bouche dit a une importance. Because what your mouth proclaims has an extreme Amen. Importance. N'utilisez pas votre bouche pour la médisance et pour le murmure. Use your Mais toujours mouth pour apporter la vie. To complain or to gossip. Bring life. Bring life. Pour apporter l'encouragement. Bring encouragement. Rappelez-vous de Déborah. Remind yourself about Deborah. Dieu lui a donné cette parole. God gave her this word. Et par sa parole, elle a encouragé des chefs. And through the word that she received, she was able to encourage the qui était découragé, qui était sans force, la Bible nous dit. That were without strength, that were totally discouraged in the face of the enemy. Mais Déborah, par sa parole prophétique, parce qu'elle avait entendu la voix de Dieu. But because Deborah heard the voice of the Lord, she gave the prophetic word. Elle a prononcé la vie sur ces gens. She declared life over the people. Et on ne sait même pas si Déborah avait des enfants biologiques. We don't know if Deborah had actually biological children. Mais il est écrit qu'elle s'est levée comme une mère en Israël.
The Bible says this about her. She rose up as a mother in Israel. C'est pour ça que je dis que chaque femme a quelque chose à l'intérieur. That's why I say today, every woman qui déteste l'injustice. On the inside that hates unrighteousness. Et elle est capable de se lever lorsque même les hommes sont fatigués et découragés. Every woman has the ability to rise up even when the men around her are tired and discouraged because she speaks life. Amen. 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 Merci, Pasteur Jean-Pierre. Thank you, Pasteur Jean-Pierre. Wow, excellent. Oui, on peut applaudir. Et c'est pas encore fini. On va avoir des moments de questions et réponses. It's not the end yet. We will have time for questions and answers. And so, for those of you that are here in the room, we have paper in the back. Et pour vous qui êtes dans la salle, il y a des papiers crayons. And I'd encourage you, if you have a question for Pastor Jean-Pierre, to write it down. Et je vous encourage à écrire vos questions, Pasteur Jean-Pierre. Amen. And you can pass it to Vanessa, that's right here on the front row. À Vanessa. And those of you that are at home, you can write your question in the chat column. Et vous à la maison, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. And it'll be our pleasure to pass on those questions to Pastor Jean-Pierre. Et on va passer ces questions au Pasteur Jean-Pierre. Hallelujah. Amen. And I also too want to remind you that we have prayer rooms that are available at this point. Je veux vous rappeler que les chambres de prière sont ouvertes à ce moment. For those of you that are at home, not for those that are here. Pour vous qui êtes à la maison, pas vous. Okay. And that Zoom information is being put into the chat column right now. Et toutes les informations au sujet du Zoom sont dans le chat maintenant. So, praise God. Merci beaucoup, Catherine. Pasteur Jean-Pierre, excellent message. Merci. Great message, Pasteur Jean-Pierre. Tu parlais avant de poser plein de questions sur les femmes. Before we started asking lots of questions about women. J'ai juste peut-être une petite question. I just want to start with a little question. La relation de la mentalité des hommes envers les femmes. And this has to do with the mentality that men have towards women. Parce que il est très difficile pour une femme de trouver sa place si l'homme n'est pas fidèle. It's very difficult for a woman to find her place if the man is not faithful. Et ouais, parce qu'elle est faite d'une telle manière, elle est câblée d'une telle manière. Because the woman is wired in a certain manner. Qu'elle a besoin de trouver cet homme en face qui est fidèle. Right. She needs to see in front of her a man who remains faithful. Qu'il soit faible, qu'il soit fort, qu'il soit intelligent, qu'il soit stupide. Whether he's strong or weak or smart. Je dirais que presque tout est gérable dans la vie sauf l'infidélité. All of the other things can be managed in life except unfaithfulness. Alors, est-ce que tu peux juste prendre 2-3 minutes et juste parler un tout petit peu aux hommes au sujet de la fidélité et pas que aux hommes mariés, mais aussi des jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, comment peuvent-ils aussi développer la fidélité envers la femme? Can you take a couple of minutes very briefly to speak to married and single men and explain how they can develop faithfulness? Amen. J'aime bien ce verset qui dit celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère ou sa sœur est un menteur. I like the verse that says, the one who says that he loves God yet does not love his brother or sister is a liar. Donc en tant que chrétien, j'ai du mal à penser qu'on dise qu'on est fidèle à Dieu. I have a hard time believing that a Christian can say, I'm faithful to God. Yeah. Je suis fidèle à Dieu, je suis un homme de Dieu. I'm a man of God, I'm faithful to God. Mais voilà, je suis infidèle à mes vœux. But I'm not faithful to my vows. Infidèle à ma femme. I'm not faithful to my wife. Yeah. Désolé mon gars, tu es un menteur. Listen, that makes you a liar, my brother. Et la première, tu peux pas être fidèle envers Dieu que tu ne vois pas. You can't be faithful to a God that you don't see. Et infidèle envers ta femme que tu vois. And unfaithful to the wife that you do have in front of you. Amen. La façon dont nous traitons les autres. Because our way of treating other people. Et une bonne indication dans la façon dont nous traitons Dieu.
is really a revelation or an indication of how we are treating God. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à un moment donné que la façon que ce qui va montrer que tu m'aimes, c'est la façon dont tu vas aimer les autres. That's why the Lord says the way that you show me you love me is by loving others. La façon qui va montrer que tu es fidèle, c'est la façon dont tu vas montrer de la fidélité envers ta femme. The way that you show to me that you're faithful is the way that you are faithful to those I've entrusted Amen. To you. Donc soit on veut être des hommes de Dieu. So, you make a choice. Either you're going to be a man of God. Et être sérieux avec le Seigneur. You're going to be serious about the Lord. Ou soit on joue. Or you're playing games. Choisissez les gars. So, it's up to you to choose. Amen. Et peut-être il y a des hommes qui sont ici, qui sont à la maison. Et j'aimerais vraiment rajouter à ce que Pasteur Jean-Pierre vient de dire. I just want to add to what Pastor Jean-Pierre said. Pour vous encourager, vous pouvez faire toutes sortes de trucs pour bénir une femme. To you, my brothers, you know you can do all kinds of things okay. to bless tu a woman. Lui acheter des fleurs, you des can chocolats, buy flowers. You can give her chocolates. Tu peux l'amener dans des grandes vacances. You can take her on vacation. Des endroits exotiques. To the most exotic places in the world. Lui donner ta carte crédit. Give her your credit card. Il y a pas de limite, pas de limite. No limits. Spend whatever you want. Fais comme tu veux. Yeah, right. Mais ce qu'elle cherche avant tout, c'est la fidélité. But listen. Above and beyond all that, what she's looking for is faithfulness. Je crois, je suis pas une femme, je n'étais jamais une femme. I'm not a woman, I've never been a woman. Mais je vis avec une femme. I live with a woman. Je peux dire que la fidélité, ça coûte très cher pour un homme. Faithfulness costs men a lot. Il faut une vie pour le bâtir et une seconde pour le détruire. Exactement. It takes a whole life to build faithfulness and one second mais to destroy it. Ça compte pour énorme, ouais. énorme, But énorme. It counts for a lot. Et même à ce propos, Pasteur Jean-Pierre, parce que on voit toujours dans l'Église que l'Église toujours un petit peu. Bon, déjà, le nombre de membres, c'est majoritairement femmes. We made this observation in the church. The majority of members are women. Mais la majoritaire leader et responsable sont des hommes. But the majority of the leaders are men. Huh. Alors, comment faire en sorte que y a-t-il une place pour les femmes responsables? So, my question would be, is there a place for other women comment, leaders? Comment vivre ce que tu viens prêcher au centre de notre communauté? How can we, as a church, actually put into practice what you are preaching about? Moi, je crois qu'il y a la partie visible de l'iceberg, on va dire. I believe that there's the tip of the iceberg that is visible. Et la partie invisible. But there is a part that is invisible. Qui bien souvent est beaucoup plus importante que ce qu'on usually, voit. And usually, it's way bigger than the tip. Et comment dirais-je? Je crois que chaque femme a sa place dans le corps de Christ. Every woman has her place in the body of Christ. Et aucune femme ne devrait douter de cet appel et de cette place. No de cette place. Woman should ever doubt. Et que la place de la femme n'est pas une place secondaire. And it's not a second class position. Et même sans la femme, nous ne pourrions sans que la femme prenne sa place, nous ne pouvons pas accomplir ce que le Seigneur If a pour nous en tant qu'Église. Don't take their place, the church cannot accomplish the will of God. Et il y a plein de femmes dans l'Église qui travaillent dans l'ombre. Listen, there are so many women Mais who are working ont in the shadows qui ont un in the tel fruit dans la vie des autres. But they're bearing so much fruit in the life of others. Et personne ne va les célébrer le dimanche matin. Personne ne va les célébrer le dimanche matin. But they're not going to be the ones celebrated on a Sunday morning, for example. Mais elles sont le poumon même de la vie de l'Église. But they are very present. They're like the lungs of the church. Elles sont présentes. They're here, they're present, they're active. Elles s'occupent des personnes qui sont blessées. They're taking care of the wounded. Au prix de leur vie même des fois. And they're sacrificing their lives. Et sans ces femmes, on ne pourrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Without these women, we would not be the church that we are today. Amen. Amen. Yes. Come on. Et juste une petite pour compléter. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Just want to add one more thing. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une petite anecdote que j'avais partagée il y a quelques mois. I wonder if you remember a story I shared a few months ago.
Et de cette façon où j'étais l'homme de Dieu qui avait jeûné pendant des jours, et quand je suis sorti de ma chambre de prière, j'ai dit que ma femme avait gâché mon temps de prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette question. I told you a story about my own life, how I was fasting for a long time, and I came out of my room and I yelled at my wife and said she ruined my life. Et le Seigneur m'a remis un peu sur place. Il m'a dit tu la fermes, mais j'ai pas dit la fin de l'histoire, qui était la plus importante en fin. I didn't tell you the end of the story, which is the most important part of the story. Alors que je me plaignais de la femme que le Seigneur m'avait donnée. I was complaining about the wife that the Lord gave me. La partie la plus importante, c'est que le Seigneur m'a dit tu ne seras jamais l'homme que je veux que tu sois sans cette femme. But I didn't say this. The Lord said to me, you will never be the man I've called you to be without Amen. This woman in your life. Amen. Amen. Et je crois que je sais pour ma part, un soixante. Pareil. On a une belle expression en anglais qui est difficile à traduire. There's an expression in English that's a bit difficult to translate. C'est un petit peu l'image de prendre un ascenseur. It gives the picture of taking an elevator. Et on dit I married up. Oui, je me suis mariée à un niveau supérieur. Ouais. C'est à peu près ça. Et je ne sais pas si vous avez capté en français, mais en tout cas, elle est belle comme expression. Elle est belle comme expression. But it's a good thing to say, whatever. Mais Pasteur Sam, est-ce que tu auras une petite question? Did you receive any questions, Pastor Samuel? Oui, il y en a beaucoup. Lots of questions. Mais j'étais assez, au fait, déjà, merci Pasteur Jean-Pierre pour le message. Thank you for the message, Pasteur Jean-Pierre. J'étais assez interpellé que malgré que c'était un jour qu'on célèbre donc toutes nos sœurs aujourd'hui. Despite the fact that we are celebrating all of the women today, en fait, depuis quelque temps, je vois Dieu scrute quelque chose de très important au sein de notre congrégation. I have seen God putting His finger on something very important in this church. En tout cas, j'espère que ceux qui sont ici et même ceux à la maison, vous avez commencé à comprendre ce que Dieu est en train d'essayer de faire. And I hope those of you in this room and those of you connected by internet are beginning to perceive what God's doing. Et d'ailleurs, le pasteur Robert l'a extrait et toi, tu l'as très bien expliqué. Pastor Robert mentioned it and Pastor Jean-Pierre explained it very well. Parce que on a tellement entendu cette cliché l'homme de Dieu. We have so often heard this cliché, this term, the man of God. Et juste avant de poser la question, j'aimerais rajouter que moi aussi je peux le dire. D'ailleurs, si je me trouve au Bon Berger aujourd'hui, c'est parce que Vanessa a entendu la voix de Dieu. And listen, I can tell you from my own story, the reason I'm in this church today is because my wife Vanessa heard the voice of the Lord. Où j'étais moi perché quelque part. I was, you know, going elsewhere in my head. Donc c'est vrai que des fois nous les hommes on réalise pas le type de femme que Dieu a mis à nos côtés au fait. But you know sometimes we men don't realize the type of woman that God has given us. Et cela est valable que ce soit pour nos mères, nos sœurs. Ouais. This is true whether it's our mother, our sister. Vous savez, quand nous sommes défiés, nous sommes toujours agacés. You know, every time you're challenged by something, it makes you frustrated. Mais en fait, ce sont des gens qui nous aiment, qui nous défient pour que nous puissions aller vers l'excellence. But the thing is, it's the people that love you that challenge you because they want to push you to a higher level of excellence. Et j'ai bien aimé la subtilité que le Saint-Esprit a fait au travers de toi. I really like the subtle way the Holy Spirit spoke through you. Il a dit qu'il a mis la femme pour nous rendre parfaits. You said this, that God gave the woman to perfect the man. Vous savez, pour moi, c'est assez nostalgique aujourd'hui de vous parler. It's kind of nostalgic for me to speak to you today. Vous savez, pour ceux qui, vous savez que ma mère est partie avec le Seigneur, hier, c'était son anniversaire, aujourd'hui, c'est la fête de mère. Yesterday was supposed to be my mother's birthday, but she died last year. Today we have Mother's Day, so. C'est assez particulier de réaliser, et j'aimerais encourager certains d'entre vous, n'attendez pas qu'ils partent, ces gens-là, pour réaliser leur importance au fait. And as I think about this, I just want to say to you, don't wait until your mothers die before you honor them. C'est faut apprendre à les célébrer. Tout à fait. Start to celebrate them now while they're alive. Vous savez que même des fois que mes sœurs peuvent être des pestes avec moi, mais je les célèbre. Even your sisters, I know my own sisters, they were sometimes a pest, but I learned to honor them. Loin de moi, mais franchement, Dieu merci pour eux dans ma vie. And I do have to say thank you, God, for the women you put in my life. Amen. Enfin, ma question, en tout cas. So, now to the questions. Pasteur Jean-Pierre, qu'est-ce que tu dirais à un jeune homme actuellement qui conçoit aujourd'hui que, au fait, sa femme, au fait, le fait de débarrasser de sa femme, ce serait donc le miracle de sa vie? Pasteur Jean-Pierre,
C'est vrai, c'est une question assez un peu bizarre. How would you counsel someone, a man, who is saying the best thing that could ever happen to him is to get rid of his wife? Et puis j'ai rajouté, et ça c'est une vraie expérience que j'ai eue il y a quelques années. I just want to refer to a real experience I had. J'ai eu un rendez-vous avec un pasteur à Paris. I had an appointment with a pastor in Paris. Dont sa femme, il est pasteur d'une bonne église. Pastor of a really good church. Sa femme venait le quitter. And his wife just left him. Et je suis allé pour le consoler et voir ce qu'on pourrait faire pour l'aider. So I went to see him. I wanted to comfort him. I wanted to see how could I help him. Il m'a repris tout de suite. And he corrected me right away. Il dit maintenant je peux servir le Seigneur. Gloire à Dieu. His words. Now I can serve God. Glory to God. C'est une vraie histoire. This is a true story. Et j'aurais bien voulu vous dire, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Ça m'est arrivé deux fois. That à actually Paris. Happened twice here à in Paris. The Paris area. Alors voilà, la question n'est pas si lointaine. Hein. So the question is relevant. Voilà, maintenant on attend vraiment la réponse. We gave you time. Give us. Alors vous voulez la partie soft ou la partie musclée? Voilà. Do you want the soft version or the hard version? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. That is ridiculous. Ridicule, ridicule. It's absurd. C'est vraiment tombé dans le piège que le diable utilise depuis le début de la création. That kind of man has fallen into the trap that the devil has used since creation. Cette stratégie qui a marché dès le début de la création. The strategy that worked from the beginning. Il savait exactement où taper pour mettre le plan de Dieu de l'humanité à néant. The devil knew exactly how to get in there and to wreck the plan of God. Toucher la relation entre l'homme et la femme. He targets the relationship between the man and the woman. C'est tout. Comment tu peux servir le Seigneur si tu n'es pas capable de d'agir pour travailler dans ton couple avec ce que le Seigneur t'a donné de plus précieux? How can you say that you're serving God when you can't even work on the thing that's most precious in your life? Il est dit que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? The Bible says, "Let marriage be honored by all." Why? Comme je le disais tout à l'heure lors de la présentation, c'est que lorsque, à chaque fois qu'il y a un couple qui se marie, un homme, une femme. As I said before about wedding ceremonies. Représentant d'Adam et Ève, et non pas Adam et Steve. Et je le répète encore. Woman, que ça soit bien clair. Let it be clear. C'est une proclamation de ce qui s'est fait lors de la création. Listen, it is a proclamation of what was accomplished at creation. Et c'est une prophétie de ce qui va être accompli à la fin des temps lorsque Jésus reviendra reprendre son Église. It is a prophecy of what will happen at the end of the Il est dit que c'est un mystère. It's a mystery. Et le premier endroit où tu dois servir le Seigneur, c'est dans ton foyer, dans ta maison. Listen, the first place you need to serve God is in your own home. C'est ta première obligation. Ce n'est pas le ministère. That is your first obligation, not the full-time ministry. Mon premier appel n'est pas en tant que pasteur. My first calling in my life is not pastor. Mon premier appel est en tant que mari. My first calling is that of husband. Amen. Ma première obligation, c'est d'être un mari fidèle envers ma femme, la femme que le Seigneur m'a donnée. Et je suis prêt à mourir pour ça. My first obligation is to be faithful to the woman that God gave me, and I'm ready to die for that. Pour le ministère, je vais réfléchir. Now, when it comes to ministry, I'll think about it. Mais pour mon foyer, je ne réfléchis pas. Listen, there is no question for my household. Même s'il faut que je me batte jusqu'à la mort, je vais me battre pour mon foyer, pour l'alliance que j'ai faite avec la femme que Dieu m'a donnée. If I have to fight for it, I will fight for my covenant with my wife. Et après, quand je suis complet en ça, alors après, je peux dire que je peux mourir pour le ministère. Now, when I've achieved that purpose, then I'll start to consider the ministry. Mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Combien d'histoires on a entendu comme ça? How many stories have we heard like this? Des hommes et des femmes qui disent mon mari et ma femme m'empêchent de servir Dieu. Mais arrête. How many people have said that my husband or my wife hinder me from serving God? Stop it. Soit tu es en train de t'es accro à la cocaïne. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Something is wrong. Are you an addict? Mais mets-toi bien. Look at yourself. Et prends soin de ce que le Seigneur t'a donné. Take care of what God has entrusted to you. Amen. Amen. Wow. Je ne sais pas si on peut rajouter, hein. Franchement, je crois que Pasteur Jean-Pierre t'a tout dit là. You said it so well.
Juste peut-être, si je peux rebondir un petit peu et peut-être avoir ton commentaire. Parce qu'en Malachie, chapitre 2, verset 10, in Malachi 2, chapter 2, verse 10, ça parle, en fait, Dieu reproche des sacrificateurs. God is correcting the priests. Justement, par rapport à leur infidélité vis-à-vis à leurs femmes. Because of their unfaithfulness to their wives. Et Dieu leur dit, vous versez des larmes sur mon autel. God says to them, you're pouring out your tears on my altar. Écoutez mes amis. Listen, my friends. Et Dieu dit, je vous entends pas. Exactly. God says, I don't hear what Et you're saying. Et pourquoi je ne vous entends pas? Why don't I hear Parce you? Parce que vous êtes infidèle exactly. avec votre femme. Because exactly. you have been unfaithful to your wife. Donc, c'est quelque chose, l'attitude d'un homme envers une femme Tout a une fait. Répercussion exact. Dans sa vie spirituelle. The attitude of a man direct. Towards his wife has a direct impact on the on his spiritual life. Et pour compléter, je crois que c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre, il est dit que il y a obstacle à vos prières à cause de la façon dont vous traitez vos femmes. Ouais. First Peter chapter 3, the Bible says that your prayers are hindered by the way you treat your wife. Tu peux jeûner 40 jours, la façon dont tu vas traiter ta femme, c'est ça qui va apporter la réponse. Listen, you can fast and pray for 40 days, but if you're not treating your wife correctly, Amen. Your prayers have no impact. Amen. Et puis juste pour, par rapport à ce texte en Malachie, le Louis II ne le traduit pas très 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 bien à mon avis. In regards to je suis pas un expert en hébreu. In Malachi, Louis II didn't translate mais ce qui est intéressant, parce qu'il dit pourquoi alors Dieu a permis à ce que les deux deviennent une. But the thought occurs to me, why did God allow for two to become one? En fait, c'est dans le texte. Oh, it's written in the text. Et Dieu répond à sa question. Oh, the priest asked the question and God answers his question. That's what it was. Ok, on va arriver à la conclusion maintenant. Et Dieu dit, c'est pour obtenir une descendance sacré. And God's answer to the question was to obtain a holy, consecrated descendants. Et ce qui est absolument remarquable, pour moi, je crois vraiment que la Bible nous montre que la meilleure façon de changer le monde. The Bible reveals, in fact, that the best way to change the world. C'est d'avoir des enfants, des descendants. Is to have children, have descendants. Ils sont sacrés. Ouais. That are holy and consecrated. Okay. Comment obtenir une descendance sacrée? So how do you have children, a descendants that are holy? C'est un homme qui est fidèle avec une femme. And Exactement. Consecrated, wow. a man Exactement. Remains faithful to his wife. Dans la fidélité. Ouais. They walk in faithfulness. L'un envers l'autre. Towards each Quel other. Quel que soit le prix. No matter what it costs. Et je crois que tu as dit tout à l'heure, pasteur, que dans l'Église, même pour les célibataires, on est tous intéressés à faire une descendance. Oui. And as you said so well before, all of us, single or married, ou matériel, are called to have spiritual descendants. Mais l'objectif, c'est de créer des vrais disciples de oui. Jésus. Our goal is to create true disciples et on Jesus. Revient Make à cette notion, mais si on n'est pas fidèles les uns envers les autres, However, if we're not faithful to each other, S'il n'y a pas de culture d'honneur dans nos relations, if we don't have a culture of honor in our relationships, même si on a des enfants, even if we do have children, ça serait pas une descendance sacrée. Exact. They would not be considered descendants that are holy and consecrated. Pas, on a dans certaines villes des méga églises. You know, in some cities of the world, there are these huge mega churches. Le taux de violence ne descend pas. But the level of violence in those cities hasn't gone down. L'homosexualité ne descend pas. The level of homosexuality in the city hasn't gone down. Crime violent ne descend pas. Violent crimes have not gone down. Il y a beaucoup de monde. There are lots of people, certainly. Il n'y a pas une descendance sacrée. But even though the church is filled with people, there is no descendant who is consecrated and holy. Et je crois qu'il faut vraiment et peut-être parce qu'on va aussi bénir les femmes dans quelques minutes. In a couple of minutes, we're going to take time to bless the women. Mais je me demande, pasteur Sam, peut-être il y a une place là maintenant prier pour les hommes. I just wonder if on before we do that. On n'est pas encore la fête des hommes. Ça va venir dans Even un mois. Even though it's not Father's Day or the honor. Mais quand même, comment pouvons-nous encourager les femmes d'être des femmes si les hommes ne sont pas des hommes? Tout My question is, how can we encourage women to be women if we're not encouraging the men to be men? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Pour prier pour les hommes, tu parles?
Ben, en prier fait, ou prêcher encore un oui, petit peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Les deux. Et je pense que les hommes, il y a tout à fait, on peut pas honorer les femmes aujourd'hui. You know, we can't really honor women correctly today. Sans avoir une petite piqûre de rappel sur les gars, sur les hommes. Without reminding men. Sur la façon dont on doit traiter nos sœurs, nos femmes, nos mères, nos les femmes qui sont autour de nous. About the way they treat women around them, mothers, sisters, daughters. Et je crois qu'en tant qu'homme, on doit vraiment même avoir une certaine repentance par rapport à la façon dont nous avons traité nos femmes. I even sense that God is calling men to repent in a certain way about the way they treated women. Et dans l'Église, nous devrions être des hommes exemplaires. In the Church of Jesus Christ, we need to be models, examples as men. De toujours honorer les femmes. And always honor women. Qui nous entoure, que ça soit notre mère, que ça soit notre femme, notre sœur, notre amie. Our mothers, our daughters, our wives. Une femme ne devrait jamais se sentir déstabilisée dans la présence d'un frère. In other words, a woman should never feel insecure. Et un frère, nous en tant que frère, on doit tout faire pour préserver sa réputation, sa sécurité. A brother should always seek to protect the reputation and the security of a sister. Créer une atmosphère de sécurité autour de notre sœur. And create an atmosphere of security for the women. Et de respect. Montrer du respect. And show respect. Et les jeunes hommes, vous devriez être les premiers à montrer du respect. Young men, amen. You guys need to be the first ones to show respect. À regarder la femme comme Dieu regarde la femme. Consider the women the way God considers women. La femme et ta sœur n'est pas un bout de viande. Listen, your sister in the Lord elle is est ta sœur. A piece of meat. Créée à l'image de Dieu. Created in the image of God. Et ton appel, c'est de protéger sa réputation. Your calling is to protect her and her reputation. C'est de la protéger. Amen. And to make her feel secure. Et de la valoriser. To make her feel cherished. Amen. Amen. Et en tant que père, on doit élever nos fils. And as fathers, we need to raise our sons. Non seulement par notre exemple, à montrer comment on traite les femmes. Show, first of all, by our example. Et enseigner nos fils aussi à traiter correctement leur future épouse. And teaching our sons how to treat women correctly. Et Pasteur Jean-Pierre, j'aimerais juste te dire, on a une question avant de prier, mais tu as fait un excellent travail avec David et je vois comment il traite ma fille. I just want to honor you. You did a great job. Amen. Alors, il me semble qu'on a une question, Sam, juste rapidement avant qu'on passe à la prière. Oui, Pasteur Jean-Pierre, donc, que dire des femmes divorcées pour l'infidélité de leur mari? Comment se situe-t-elle? What can you say to women who are divorced because of the unfaithfulness of their husband? Grosse guérison. Oui. Wow. Bah, il faut tout à fait, il faut passer déjà par une guérison. The most important thing, ladies, would be your healing. Et je crois que le Seigneur voit, les pleurs et les cris de chacune de ces femmes. Amen. I believe the Lord has seen your tears and your suffering. Et Dieu voit le cri, il n'est pas insensible à ça. And he's not indifferent to what you've gone through. Et il est toujours prêt à apporter une guérison et une restauration. He is there for you to bring you healing and restoration. La seule chose que j'ai à dire à ces femmes, c'est de vraiment faire confiance en celui qui ne va jamais les décevoir. The one thing I do want to say to you, my sisters, if you've experienced that, is you can always trust the Lord. He will never disappoint. Et d'une façon ou d'une autre, le Seigneur apportera la guérison et la restauration. In one way or another, He is here to bring you healing and restoration. Si je peux juste rajouter, tu sais, Pasteur Jean-Pierre, Vanessa a toujours l'habitude de dire quelque chose, que je prends ça comme une ligne de conduite, c'est de dire de jamais blamer Dieu pour l'erreur d'un homme. I learned this from my wife Vanessa. She has often said to me, never blame God for the mistakes of man. Tout à fait. C'est hyper important. Tout à fait. C'est vrai que c'est dur. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Mais Dieu n'y est pour rien, en fait. But it's not God's fault if the man committed such unfaithfulness. Amen. Peut-être on peut prier déjà pour les femmes. Il me semble qu'il y a un cadeau qu'on veut remettre à toutes les femmes. Yes.
We do have a gift for the women too, but we will be praying for the women. Okay. Et est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les cadeaux? Yes. Parce que... Of course. C'était un mot envoyé ce matin. Oui. Désolé. Des précisions. Je ne l'ai pas eu. Attends. Ok. Il y a pour les pour vous les femmes un livret qui s'appelle Les paraboles d'une mère. C'est écrit pour tout le monde, maman ou célibataire ou femme âgée ou grand-mère. Un petit livret qui sera offert, envoyé à toute la base de données si vous, si nous, l'Église, nous avons vos coordonnées. We've written a book called The Parables of a Mother. It is our gift to you. If your contact information is in the church database. Et c'est avec grand plaisir. Tu as oublié une petite note peut-être, Pasteur Catherine. Vas-y, complète. Je suis. Au fait, l'auteur, c'est le Pasteur Catherine. Ah oh, bah ça c'est pas négatif. C'est quand même aussi important. Il paraît que c'est aussi disponible pour les hommes qui veulent honorer les femmes dans leur vie. Mmh. Il suffit de donner les coordonnées à l'Église, c'est ça? Ou faire la demande. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est les cadeaux au temps de Covid. Ce sont des cadeaux virtuels. Mais c'est du vrai. Mais le désir du cœur d'honorer toutes les femmes de l'Église aussi sincère que was to honor all of the women in the church and all of the women that might be in your life. Amen. Dans les années précédentes, avant l'arrivée du Covid, on avait toujours un temps où on invitait toutes les femmes sur le devant, on imposait les mains, on s'approchait d'elles. Before COVID, we always would have this time on Mother's Day to bring forward the women in the church and lay hands on them. Et l'année dernière, pour la fête des mères, je n'étais pas là. I wasn't here last year for Mother's Day. Donc, j'ai tout raté. Donc, la dernière fois qu'on a eu fête des mères, c'était avant COVID. So, the last time we actually were able to do that was before the pandemic. Et ça me fait vraiment mal au cœur qu'on n'a pas cette proximité. And it's really too bad that we don't have that kind of closeness. Je suis quelqu'un de très tactile et parfois j'ai besoin de, tu vois, l'imposition de main, ça compte pour moi et on n'a pas cette liberté aujourd'hui. However, we don't have that liberty today. Ça va se restaurer, mes amis. But it'll come back. Amen. Mais si possible, j'invite vraiment à toutes nos sœurs de sentir que Jésus y met sa main sur toi. I want each of my sisters to feel the hands of Jesus on your shoulders now as we pray. Et pendant qu'on parlait de la femme divorcée, juste une parole que j'ai reçue de la part du Seigneur. When we were talking about a woman who is divorced, I received a word from the Lord. Il va briser l'esprit du mépris. Amen. He will break the power of disdain. Il va enlever l'opprobre du monde. And he will remove the shame. Le dédain que tu as ressenti. From what you surtout felt de la in your part heart. Des hommes. In particular from men. Il va restaurer ta dignité. God is restoring your dignity. Alléluia, il t'a créé pour que tu sois une couronne. God has made you the une crown. Une couronne précieuse. A precious crown. Visible de tous. Visible by all. Et il va restaurer tout ce que le diable a volé de toi. And he will restore everything. Même jusqu'à sept the fois. The devil has stolen, even up to seven times. Alléluia.